Je suis blogueuse, je suis parisienne ou presque, et j'ai toujours un milliard de choses à faire, donc je n'ai jamais le temps. Enfin, comme vous, non? Et ça tombe bien qu'on soit pareil, car j'ai 240 secondes pour vous faire vous sentir belle. Et oui, je suis votre nouvelle coach beauté. Entre vous et moi, ça va être une belle et longue histoire de cuticules, de poils, de pointes, et j'en passe. Enfin, quand je dis longue et belle, j'exagère un peu. Parce que les tutos de 15 minutes pour se faire une tresse épie, vous n'en pouvez plus. Et j'ai fait le test, on ne meurt pas d'un ongle écaillé. Allez, c'est parti. 240 secondes, ça passe plus vite qu'une coloration maison. On y va. Aujourd'hui, je me rends à un événement presse pour le blog. J'y vais en bus cette fois-ci et comme j'aime pas perdre mon temps, je vais essayer de le rentabiliser à l'arrêt de bus et essayer de faire quelques petits exercices physiques. 240 secondes pour se muscler à l'arrêt de bus, c'est parti! Oh non, j'ai plus de batterie. Qu'est-ce que je peux faire là à l'arrêt de bus sans téléphone? Il y a plein de choses à faire, moi je suis coach sportif. Si tu veux, je peux te montrer des petits exercices. Bah écoute, avec plaisir, mais quoi comme petit exercice? Parce que moi j'ai un rendez-vous après, donc il faut pas que je sois trop transpirante. Une goutte de transpiration. Reste coiffé et tout. Hein. On va travailler l'essentiel, les triceps, les cuisses, les fesses. Toutes les femmes vont travailler ça, on est d'accord? Ok, oui, exactement. On est d'accord. Commençons par les triceps. Ok, mets tes mains sur le banc. Ouais. Tu regardes devant toi, tu décolles tes fesses. Ouais. Le corps droit, tu regardes devant toi, tu fléchis tes coudes et tu souffles en montant. Inspire, okay. Descends et souffle, remonte. Nickel, continue. Ok, ouais, ça va, c'est pas trop pas dur mal. Ça. Tu m'en fais 10, rapproche tes fesses un 10. Petit peu du banc. Ah, c'est plus compliqué comme ça. Voilà, parfait. Après les triceps, on commence un petit peu les cuisses. Tu restes sur le banc, tu t'assois, tu te lèves. Sans trop forcer, hop, poids du corps, bras devant. Hop, poids du corps, bras devant. T'inspires, tu descends. Ok, d'accord. Tu souffles, tu remontes. Donc je peux faire comme si je regardais si mon bus arrivait, par exemple. Comme ça. Sur ton bus, il arrive. Il n'est pas là, tu recontinues. On enchaîne. D'accord, allez, go. Ok. Tu peux me rasseoir. Les gens nous regardent, nous sommes fous. On s'en fout, on va être bien foutus au moins. Ok, d'accord. Ok, on passe au prochain. Ouais. Nickel. Tu te mets sur le côté. Gainage. Reste droit. Tu ramènes ton coude aux côtes et tu repousses. D'accord. Sans monter ton épaule. Ça va, c'est discret ça. Discret. Tu peux toujours regarder si tu vois ton bus. Ok. Parfait. Et j'en fais 10 aussi? T'en fais 10 aussi. D'accord. De l'autre côté? De l'autre côté. Reste droite, tac, hop et tu repousses, voilà. Hop et tu repousses. Parfait. Un petit grain de folie. Ouais, ok, écoute. On enchaîne sur le banc. Montre-moi. Le pied sur le banc, tu regardes devant toi. Oui. Tu viens monter ton genou là et redescendre. Ton genou, il ne devrait pas dépasser la pointe de pied. Ton genou, il ne devrait pas dépasser la pointe de pied. D'accord, ok. Alors, laisse-moi essayer. Comme ça. Un peu plus. Un peu plus haut. Donc là, tu es un peu moins discrète. Hein. Mais d'un côté, je bosse bien les fesses. Et tu bosses bien les fesses et les cuisses. D'accord. Et tu changes de jambe. Celle-ci, je peux me tenir un petit peu sur la vitre. Ok, j'ai une petite question. Est-ce que à vie, tu préfères faire tous les jours 1000 pompes par jour ou courir un marathon en talons? 1000 pompes par jour. C'est sûr. T'es sûr? Sûr et certain. Il y a ton bus. Bon bah écoute. Ça y est, t'es toute prête, c'est bon? Je vais te laisser. T'as pas transpiré? Merci. Non, ça va. Bon. Je suis au top. Merci beaucoup. Bon bah écoute, je te laisse, merci beaucoup. Salut.